On a passé son barrage qui permet de gagner non seulement de l'eau pour nous boire, mais de l'eau pour être capable d'arroser tout le jardin et qui est dans la zone pour augmenter le rendement qui est habité. Donc, le travail qui est capable, dans la visite que vous faites là, vous capable de faire pile et le travail qui commence à faire, non seulement il y a une digue qui commence à préparer, mais tout nous avons commencé à préparer pour nous passer des tuyaux qui sont capables de conduire non seulement de l'eau pour faire énergie électrique qui n'est pas souligné, mais tout de l'eau qui est capable de permettre de nous irriguer. Donc, la pile avancée à faire, avec appui ingénieur cubain qui l'a et nous avons des, non seulement nous avons des ingénieurs haïtiens là, mais nous avons des ingénieurs ruraux et des ingénieurs civils en formation pour capable permettre que nous continuions à faire travail en affaires. Parce que ce n'est pas seul système en affaires, nous continuons à travailler. Donc c'est important pour nous capables de respecter les promesses du président qui a dit de mettre et manger dans l'assiette et capable de permettre d'avoir un revenu qui est intéressant. Donc c'est dans ce sens nous travaillons et nous continuons à travailler sur ça. Et nous avons réalisé vos gestes là. Donc c'est pour prise là lui-même, donc c'est nous parle bassin de l'eau qui est capable qu'embé près de 3 millions de mètres cubes de l'eau. Donc la fête sous autour de 54 hectares côté de l'eau Chita, mais prise ça qu'on a fait là permet de nous irriguer près de 30 000 hectares dans la zone nord-est là sorti terrier rouge Marion côté nous y a jusqu'à Fort Liberté. Donc c'est un gros système qui permet on dit nous augmenter productivité et rendement dans la zone là. Barrage là a permet nous alimenter tout département en énergie électrique tout quoi. Donc n'a pas gain ni coût électrique, n'a pas gain ni de l'eau potable, n'a pas gain ni de l'eau pour irrigation. Donc son méga barrage, c'est un apigo barrage nous jamais fait dans pays là. Donc après Pélide, donc nous pensons que c'est un barrage important pour capable permettre mon yo gain satisfaction et répondre pour vice président et faire la campagne. Pour explication technique ça cap en combien de temps qui ça a besoin cap cuite cochon actuellement, donc c'est trésor public qui a financé travail yo. Donc malgré tout, donc n'a mis tout moyen qui disponible pour capable permettre que travail ça les fini dans délai qui pas trop long. J'avais dit nous pas dit ni un an ni deux ans actuellement là parce que c'est travail n'a travail. Donc nous pensons que d'ici bientôt donc population a une chance gain barrage ça qui a pour fierté pour nord-est et qui a pour fierté pour haïtiens. Donc nous pas mettre date parce que nous dit c'est n'a pas mettre un à deux ans pour nous capable œuvre ça sortir en terre, mais nous penser bientôt que n'a pas gain possibilité pour nous capable mettre de l'eau à disposition mon yo puis au moins puis faire électricité et puis capable user jardin. Et appui technique coopérant cubain nous là. Donc nous avons appui coopérant cubain qui fait étudio et nous dit nous pas mettre et nous gain des ingénieurs haïtiens qui sur place tout. 30 ingénieurs ruraux et civils qui ont entré là à partir du 1er juillet pour venir renforcer l'équipe là et puis pour nous capable de capacité pour aller travailler dans l'autre site que nous allons commencer bientôt. Oui, donc effectivement, nous sommes chantier accompagné de plusieurs ministres, notamment ministre des Affaires étrangères, conditions féminines, ministre de l'Agriculture qui est censé porteur de dossier ça, nous avons ministre des Affaires sociales avec ministre de la Justice. Son façon pour me dire non, même si son projet qui est intéressé à l'agriculture, c'est tout gouvernement pour nous faciliter le travail pour y aller. Pour que le ministre des Finances implique tout pour débloquer COB, d'accord, pour nous capables. Ça, c'est un projet qui est très important parce que si nous songeons bien, depuis notre campagne électorale, le président Jovenel Moïse, il était parlé de la maîtrise des eaux de surface. Ça qui passe, nous avons des millions de mètres cubes d'eau, des milliards de mètres cubes d'eau qui gaspillent chaque année et puis c'est dans la mer aller. Eh bien, Kounia, avec vision président, hein, n'est-ce pas vrai, il était pensé depuis avant campagne que fort que nous avons de grands réservoirs d'eau. Comme ça, dans la période de la pluie, de l'eau nous a accumulé et puis pendant la sécheresse, de l'eau nous capable d'arroser avec eux. Donc, par exemple, nous sommes parlé avec l'ingénieur cubain. Ici, dans la plaine, ok, arrivé jusque Fort Liberté, même durée, nous en grande quantité. Donc, nous imaginons qui ça va le faire pour le pays. Hein? C'est que nous n'avons pas besoin de prendre un cob pour nous changer en Amérique. Pour durer à l'extérieur, nous avons capacité ici.
Et ça, c'est enquête non. Parce que plan, c'est 11 barrages au total dans le pour le café. Et Jean que ministre s'en dit, nous connaissons barrage ça, le barrage joue un rôle très important dans l'agriculture, mais nous avons gagné des turbines capables d'utiliser force de l'eau pour générer l'électricité, comme ça, nous avons produit une certaine quantité d'électricité. Ensuite, pour le barrage, nous avons. Donc ça, c'est vraiment un méga projet hein, pour nous gagner des projets comme ça. Des projets qui revalorisent l'agriculture. Ce n'est pas bouler caoutchouc, ce n'est pas brigandage qui fait pays. Parce que depuis longtemps, depuis plus de 50 ans, c'est même bagaille. Mais pour nous, on continue, on commence à rêver. On commence à rêver dans l'autre pays. Parce que Haïtiens, ils n'ont pas rêvé encore. C'est résilient, résilient. Non, Kounia, nous pensons que Haïti, n'est-ce pas vrai, véritablement, le projet a commencé et on va faire un mandat président, n'est-ce pas vrai, nous avons 11 barrages. Afin de évaluation, il a dit combien, n'est-ce pas vrai, le maximum, nous allons baisser courant. Nous allons baisser courant parce que c'est toute ressource l'État que nous avons utilisé. Nous avons utilisé femmes, nous avons utilisé garçons, nous avons utilisé ressources terre. Par exemple, je vais donner un exemple. Si nous prenons étude sol, vous pensez que c'est expertise internationale que nous avons utilisé pour faire étude sol, eh bien, nous jouons des Haïtiens qui ont préparation, qui ont expertise. Ce n'est pas qui t'a coûté nous des milliers de dollars. Eh bien, grâce à compétences que nous gagnons, grâce à matériel, équipement que nous gagnons au niveau de laboratoire national, non? Eh bien, laboratoire national, là, pendant que m'a parlé avec nous, l'a fait étude de sol au niveau de 11 sites dans le pays hein, pour nous capables de venir faire, n'est-ce pas vrai, des barrages similaires. Si m'a comptabilisé ça, il t'a pile cob. Non, nous-mêmes, au niveau de l'administration Moïse Lafontaine, avec leadership président Jovenel Moïse, n'a pas utilisé, n'est-ce pas vrai, toute compétence pays, matériel pays, terre pays, soleil pays, pour nous capables de changer pays.
une semaine depuis que nous rentrons dans la caravane de changement. C'est le fait que nous avons 11 ans, qui c'est la guerre et ingénieur qui est juste invité, me dit bon, ok, mais qui raison qui fait qu'on est invité, c'est le fait qu'on a besoin quand même de monde pour qu'il campe avec eux sur le plan investissement. Et puis, je me dis pas un problème, je lance avec eux. Je me lance avec eux sans aucune condition. Et puis, je regarde les gens mouvement et je me dis c'est là qu'ils ont un caractère social. Non seulement je me lance à poche, je me lance avec tout courage, moi, parce que moi, j'ai un peu moins qu'un petit cran pour faire bataille la plus rapide. Et puis, je travaille avec eux. Et puis, je me dis qu'on premier 100 mètres qui est au moins. Nous passons ça non clin d'œil qui va prendre 4 jours, jouer nuit, nous finir avec elle. Et puis, yo ban nous, Louis Bonneau, yo dit, yo ban nous 100 mètres renouvelables à la minute qu'on finit pour nous avancer. Moi, de quoi, avant mardi, nous avons fini ça pour nous avancer plus devant. Nous avons travaillé dans Riel Dufort, et c'est Britel, Riel Dufort et Riel Christophe. Moi, j'ai 100 mètres actuellement Riel Louis Bonneau. Qui est renouvelable, je qu'on est à la mythe qui me finit si je avance plus devant ou bien si y a bon million l'autre. À combien mon fait ça là? Bon, moi j'ai en tout main dev et non maçon 4 boss et puis pour ça n'est les main dev yo à 10 et charpente, nous avons équipe charpente qui 6 grain charpente. Vous remarquez que le ministère des Travaux publics dans 4 cabanes nous présente partout, nous avons intervenu. Donc, moi pour me dire oui, c'est Saint-Alexandre. Nous sommes dans la rue du Quai, nous sommes dans la rue au niveau du Tour du Nord, nous sommes dans la rue et Dauphine, et nous allons à Marion, nous allons regarder ce qu'on a fait, et nous visiter de Terrier Rouge, rivière à Cul samedi. Nous avons vu que ça a un gros impact, parce que la population n'est pas capable de vivre dans la situation de la ville. Donc, ce qu'on a fait là, l'a fait dans tout le pays. L'a fait dans le Cafoujouf, vers Port de Paix. La fête au niveau de la Gendance et côté n'a pas intervenu sur de Cafouchal, n'a fait près de 65 km de route, partant de Cafouchal vers Corail, Corail, Benagous et Benagous, et Pestel et Pestel et Cafouzaboka. Donc on va regarder tout ça, c'est ça qu'on a fait dans la ville. Actuellement, on va regarder au Cap Haïtien, nous avons 6,2 km Cap Souti et de Cafoumena arrivé et Barrière Battant. Nous avons 30 km à faire là au niveau de et Kankok, Vaudreuil. Et je vous dis, où est nous avons Fort Saint-Michel et donc et une zone Baron que nous avons intervenu. Donc ça, après là, c'est toi qui es là en Charadé, donc nous pas camper. C'est boucan. Ça, c'est un boucan et un bruit. C'est tout noir ou ça dit que le travail à faire là, où nous allons faire bord de mer du Cap Haïtien. Vous songez que c'est quoi ça d'après la sous lit. Actuellement, plan censé prêt là, d'ici 2 semaines, et on va pouvoir intervenir au niveau du bord de mer du Cap-Haïtien. Ok, on a finalisé tout. Oui, elle, ça, et là, c'est pas Riel ça seulement. Ouais, non, là, on a parlé de Fort Saint-Michel, c'est pas là seulement. Ça dit qu'il y a plusieurs Riel qui sont en zone Fort de Michel là. C'est tout en bloc, et souvent. Donc, on garantit nous. On a passé une zone, nous avons fait dans tout le département ces gens que nous avons fait au niveau nord. Parce que le président, à chaque fois qu'il parle, il nous dit que le dernier côté de la campagne, là, c'est nord. Parce que l'avenir pays, là, c'est dans le nord. Merci. Nous sommes d'accord avec moi que le président Jovenel Moïse il vient de joindre un pays qui n'a pas de route là-dedans. Un pays qui n'a pas de courant. Un pays qui n'a pas de l'eau. Pour qui ça que l'infrastructure de base ça a pays en pagaine? C'est parce que nous avons toujours fait mauvais choix politique. Mauvais choix politique côté que les gens qui ont le pouvoir, ce qui est plus important pour eux, c'est qu'ils aient le pouvoir, mais ce n'est pas service à la population. Eh bien, le président Jovenel Moïse, dans le campagne, il était pour mettre travail, c'est travail à travail, c'est travail équipe nous à travail. Il faut me dire que le travail qu'a fait là, dans Fort Saint-Michel, son bagage qui est très original. C'est ça où est l'on partenariat public, privé et communautaire. Public, nous avons le ministère des Travaux publics, c'est lui-même qui est ministère de tutelle, à travers la caravane du changement, côté que il y a toute régulation qui gens que route fait pour construire. Mais en même temps, il y a des entrepreneurs tout. Mais entrepreneurs qui sortent dans la racine, peuple, même gens avec Black, même gens avec un bon lot de jeunes qui gagnent là. Et
communautaire pour qui ça? Parce que communautaire, les participer là-dedans. Les participer qui gens? N'a pas que moun yo tellement content que travail la fait, c'est eux même qui craser caillou pour yo bay route place pour ka construire route. Ou après que gen de moun k'ap pote de l'eau pour moun k'ap travaille. Et travail ça son travail k'ap fait 24 heures sur 24. C'est-à-dire que quel que soit moment qu'on vini là dans zone Fort Saint-Michel, ou ap jwenn peuple nan k'ap travaille, ou ap jwenn de entreprises, de petites entreprises k'ap travaille et ou ap jwenn des cadres du ministère des travaux publics qui là k'ap superviser sa cap fait. Je pense que le travail sa cap fait est historique. Yo fait me rappeler, yo rappeler le roi Christophe, n'est-ce pas vrai, qui était le roi bâtisseur. Roi Christophe, après ordonnance que Jean-Jacques Dessalines te fait le 4 avril 1804, lui ordonné tout généreux pour bâtir des forts à travers le pays. C'est comme ça, en 2 ans, il y a plus que 75 forts qui bâtissent à travers le pays. Et la citadelle La Ferrière, qui est une référence mondiale, lui prend 16 ans pour le bâtir la citadelle La Ferrière. Je dis, nous avons petit département du Nord, à savoir le président Jovenel Moïse, qui a une vision pour le cas, quitter des infrastructures pour le pays. C'est le moment que moi-même, m'a profité pour me faire appel à peuple haïtien, pour me faire appel à femmes, à garçons pays, pour qu'on mette nous ensemble, pour nous mettre nous ensemble avec l'équipe ça pour nous travailler. Parce que l'équipe ça n'est pas là pour offrir nous chaos, n'est pas là pour offrir nous craser briser, n'est pas là pour offrir nous grève, mais il est là pour le cas aider nous, pour nous construire pays nous, pour nous gagner l'autre rêve pour petit nous. Pour nous pas besoin de sortir ici pour y aller prendre humiliation dans pays étranger, mais pour nous voir que futur c'est en Haïti, parce que Haïti sous. Prepare.